Alors, je vais te montrer tout de suite comment je vais l'habiller. On va mettre de l'ail. Ouais. C'est assez simple. Non, mais l'ail, c'est en habit déjà. C'est un habit. Oui. Mais là, on le déshabille, l'ail. Il ne reste pas en chemise. On lui enlève la chemise. Ça, c'est quoi, Loana? Ça, c'est du miel. Tiens, tu peux le mettre dans le mixeur. Et ça, en fait, c'est quoi on... Ça, c'est de l'armagnac. Ah, zut. Non, c'est pas pour toi, c'est pour Donc, le miel, poulet. Je mets dans le mixeur. Le miel. OK. Miel, mi. Mi. Armagnac. Aussi dans le mixeur? Bien sûr. Armagnac fait. Gousse d'ail. Comme ça, en gros, là? Oui, tu vas mixer. Fait. Et j'ai mis aussi les raisins dedans. Ah non, les raisins, c'est pour accompagner. C'est pas fait. Et du romarin. D'accord. Ça, c'est quoi? C'est de la betterave? C'est de la betterave. Alors, on peut faire, parce qu'en fait, mon poulet, il va être badigeonné avec cette délicieuse sauce. Tu vas voir, ça va donner tous les arômes d'une fête. Mmh. Ça va sentir très, ça très bon. Ça va super croustiller, par contre. Ça va très croustiller, parce qu'il y a du miel que tu viens de mettre. Il y a aussi une liqueur qui va aussi Armagnac. Donner... Tu vois que j'avais raison. Tu avais raison pour... Ben oui, mais c'est tout ce qui va être autour qui va le rendre puissant plus et puissant. Agréable ça à consommer. Ça sent fort, hein. Ben oui, mais je pense que bon, c'était ça va utiliser. Évaporer à la cuisson. Et ça, c'est mon rôle de mixer tout ça. Toi, tu vas mixer tout ça. Moi, en attendant, je vais commencer à couper. C'est très simple. Encore une fois, on fait une cuisine simple, de fête, mais avec des produits vraiment de qualité. Mais on ne met pas 2000 choses. Là, je mets de la betterave. Alors, on peut acheter de la betterave crue qu'on va faire cuire dans l'eau bouillante pendant une heure. Ou alors, de la betterave cuite, pourquoi pas. On ça revient au même. Ça revient au même. Donc, mais bon, c'est un produit sucré, mais c'est pas très grave. On a dit que c'était un repas de fête. Oui. Pour le moment, ce qui compte, c'est qu'il n'est pas trop lourd. Il n'y a pas trop de matière grasse. C'est surtout là, ça qui est gênant. Là, pour l'instant, t'en as pas. Non. Et bientôt, tu vas l'avoir. Donc, comme la betterave n'est pas crue, donc elle est cuite, on va la mettre un peu plus tard. C'est-à-dire, on commence... Après, chauffer le four à 200 degrés. On va cuire le poulet pendant une heure et demie. Et les dernières 30 minutes, on va rajouter et la betterave et des raisins. D'accord. Tu sais pourquoi des raisins? Parce que ça donne du sucre en plus. Non, parce que... Parce que ça, c'est le légume qui contient le plus de sucre. Et ça, c'est le fruit avec c'est le pruneau qui contient le plus de sucre. C'est la douceur de la fête. J'avais raison. Laisse-toi transporter par la douceur de la fête. Pour l'instant, je laisse transporter. En Italie, les raisins portent chance. En France aussi, hein. En France aussi. Il n'y a qu'à voir les vignerons, ils se portent bien. Donc les raisins, l'unique ennui de cette recette, ce qu'il va prendre le plus de temps, on va les couper en deux et on essaie d'enlever les pépins. Ils sont bons les pépins pour la santé ou pas? Ouais, ils sont bons. C'est vrai? C'est vrai, les pépins de raisin, on fait de l'huile à partir de pépins de raisin. Et chaque fois qu'on a des pépins dans un aliment, en fait, on considère que c'est là-dedans qu'il y a le concentrat des substances. Donc, au lieu... Mais donc, c'est intéressant. Je m'embête pour rien. Oui, en fait, ça sert pas. En même temps, c'est pas très agréable de croustiller un pépin de raisin avec un super poulet comme ça, non? Tu permets ça, oui, comme non, beurre? Ça va. Ça va. Mais pour le moment, tout se passe bien. Hein. T'en es où avec ça y est, c'est prêt. Tu veux que je peigne? Moi, j'aimerais bien que déjà, il faut saler le poulet à l'intérieur et à l'extérieur. OK. Et poivrer aussi. Et poivrer, bien sûr. Et moi, en attendant, donc dans un petit peu de beurre, je fais revenir les raisins. Comme ça, ils vont aussi laisser un jus, tu vois. Mais perfetto! Mais est-ce tu vas badigeonner maintenant le poulet. Avec un beau pinceau. Salut le poulet. Tu sais, si tu arrives aussi à glisser un peu à l'intérieur, c'est pas trop mal. Fais-moi hein. Confiance. Je te la fais toujours. C'est toi qui m'en fais pas. Moi, je suis super fière de ma recette. Elle est simple. Le poulet, il va cuire maintenant tout seul à 200 degrés pendant, allez, une heure et demie. Après, dans une heure et demie, on le contrôle et puis on rajoute autour les raisins avec les betteraves. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bon. C'est fait.